Chaque fois que vient un PS, c'est une très grande joie pour moi. Peut-être la joie n'est pas partagée, mais moi, chaque fois que vous êtes, je suis très, très content. Amen. On a encore le voir quoi cette semaine-ci? Achevé comment? Achevé comment? Qui est en train de sentir que sa vie spirituelle est en train de prendre un envol surnaturel? Avant dimanche, entre à la dimension là. Donc, pendant cette semaine-ci, de très bons enseignements sortent. On écoute des merveilles. Dieu nous impacte, il nous transforme. Et on prie en langue avant chaque enseignement. Ça nous prépare à recevoir la parole. Pendant que tu pries en langue, tu ne perds pas le temps. Tu es en train de dire des mystères à ton Père céleste. Et celui qui sont les cœurs et les reins connaît la pensée de l'Esprit. Et c'est en ta faveur que tu as prié en langue ce matin pendant 15 minutes. Hier, tu as prié pendant 30. Je déclare qu'aucune de tes prières ne va tomber cette saison. On va voir ce matin quelque chose de fantastique que j'appelle comment développer l'esprit de la foi. Parce que la Bible déclare dans Hébreux 11, 6, c'est que oh, sans la foi, il est impossible d'être quoi? Agréable à Dieu. Donc pour achever un esprit, je dois aussi développer l'esprit de la foi. Sinon j'aurai des attitudes qui vont faire en sorte que entre Dieu et moi, ça ne colle pas. Qui va achever un esprit? Qui va achever un esprit? Hébreux chapitre 11 alors. Hébreux chapitre 11. Quelqu'un dit Hébreux chapitre 11. Chapitre 11. On va faire un très bon travail encore ce matin. À partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Allons-y. Attends. On n'a pas dit oh la foi. On dit oh. Pour dire contrairement à tout ce qui se passe, la foi est hors de là. On dit oh. La foi c'est quoi? Une ferme assurance, pas une assurance. Une assurance quoi? Ferme. Une ferme assurance de quoi? Une quoi? Assieds-toi longuement, ma soeur. Ma Bible déclare que, oh, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une autre version déclare ceci. Oh, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Notre version, la foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère. Je croyais avoir un cri, mais je crois que... On dit que la foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère. Quand on dit que j'ai la foi que ça va venir, ce n'est pas la foi. Parce que la définition, c'est que la foi, c'est une manière de posséder quoi déjà. Quand ma foi est en œuvre, la foi ne se conjugue pas dans le futur. La foi se conjugue dans le présent. Quand ça dit que ça va venir, c'est l'espérance, ce n'est pas la foi. La foi, c'est maintenant. La foi, c'est j'ai ça maintenant, je ressens la réalité quand? Maintenant. On parle de comment achever, comment? En esprit. On dit, oh, la foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités que l'on ne voit pas. Ah, une autre version. Mettre sa foi en Dieu. C'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Ah! Je crois qu'il n'y a pas les gens pour partager la joie là avec moi. On dit que quand je dis que j'ai la foi en Dieu, je ne panique pas, je ne me pose pas les questions. La foi, ce n'est pas, je vais voir ce qui va se passer. La foi voit ce qui se passe. La foi connaît ce qui se passe. La foi connaît le résultat souhaité. La foi ne dit pas que quand on va prier, je vais voir. Non. La foi est une force spirituelle. La foi est une loi. Une loi qui n'échoue jamais. La foi ne respecte pas ta taille, ton âge ou ta tribu. Ça ne connaît pas que tu es ancien ou nouveau. Un bébé tombe dans l'eau, il se noie. Un grand-père tombe dans l'eau, il se noie. À cause de la pesanteur, il doit descendre. La foi ne connaît pas que tu viens d'entrer en Christ. Amen. Qui ça met sa foi à l'œuvre? Et bien les mains, tous ceux qui mettent leur foi à l'œuvre, je déclare donc ce matin que toute prière que tu as levée à Dieu va retourner dans ta vie multipliée au centuple de Jésus. Travaillons donc ensemble maintenant. Qu'est-ce que la foi? Tous les chrétiens disent, je n'ai pas assez de foi, ma foi est encore petite, ma foi est encore faible, ma foi n'est pas encore développée. Ton non-croyant montre que tu crois en quelque chose.
C'est à partir du mot croyant que tu comprends que chaque chrétien a reçu une mesure de foi. Amen. Ton problème n'est pas est-ce que j'ai une grande foi. Pierre a marché sur l'eau avec la petite foi. Amen. Un homme avait une petite foi à marcher sur l'eau. C'est pour te faire comprendre quoi ce soit. Tu n'as pas besoin d'une superbe foi pour recevoir un grand miracle. Amen. Parce que la foi pour te bénir habite déjà en toi. La foi pour te sauver est déjà en toi. La foi pour te guérir déjà en toi. Mais la foi avec ce qu'on entend. Ce qui va te rendre capable d'entrer là-bas, ce que tu vas écouter dans la parole de Dieu. Quand Dieu te montre ce qu'il est capable de faire pour toi, tu es pleinement convaincu et qui va te donner cela. Ce matin, je t'annonce au nom de Jésus que tes prières pendant ce jeûne ne vont pas être exaucées, elles sont déjà exaucées. La foi est un producteur de bons rapports. La foi est un producteur de bons résultats. La foi est un producteur de bonnes nouvelles. Tu ne peux pas avoir la foi en toi et les mauvaises nouvelles tantôt. La foi peut tourner une mauvaise nouvelle en une bonne nouvelle. Tu es d'accord, tu dis amen comme je pense. La foi est une monnaie universelle. Ça ne connaît pas que tu es au Bénin. Tu viens au Bénin avec ta foi, tu reçois les miracles. Tu viens au Cameroun avec ta foi, tu reçois les miracles. Tu pars au Canada avec ta foi pour les mêmes causes, il y a quoi? Les mêmes effets. Donc la foi est une monnaie universelle. Ça te libère ce que tu demandes en n'importe quel lieu, en n'importe quel temps, en n'importe quelle saison. La foi, mon ami, c'est la fondation de l'accomplissement. Tu ne peux rien accomplir ici-bas sans foi. Tu ne peux pas recevoir ton miracle sans foi. Tu ne peux pas avancer sans foi. Un homme sans foi est comme un oiseau qui n'a pas les ailes. Si tu veux recevoir ton miracle ce matin, il est temps que tu voies que le Dieu à qui tu adresses la prière est non seulement capable de faire excédemment, abondamment, au-delà de ce qu'on demande même, imagine. Dieu ne va pas t'accorder ce que tu as demandé. Il va te donner ce que tu n'as même pas demandé. Parce que son nom, c'est Jéhovah Jireh, l'éternel pourvoyeur. Le côté, s'il me lâche, mais je fais avec. La foi est une expression de confiance vis-à-vis de Dieu. Quand je dis que j'ai la foi, je démontre ma foi en faisant confiance en Dieu. Ah! La foi est un acte motivé par la parole. Ce que tu essaies de faire en plein cul sans parole, ce n'est pas la foi. C'est n'importe quoi. Tu vas voir si je me lève, je vais marcher, tu vas tomber. Ce qui va te faire marcher, c'est t'appuyer sur ce que Dieu a dit. Pierre n'a pas marché sur l'eau parce qu'on marche sur l'eau. Pierre a marché parce que Jésus a dit, viens. Ce qui portait Pierre, ce n'était pas les commentaires, c'est la parole de Dieu. Donc la foi, c'est une expression de confiance, une action motivée par la parole de Dieu. Si tu te lèves pour prier pour les malades, si ce n'est pas la parole qui le dit, rien ne va se passer. Mais quand tu peux faire quelque chose, parce que la Bible l'a dit, tu vas découvrir ce qu'on appelle l'intégrité de la parole de Dieu. Où Dieu ne peut jamais contredire, briser, renier ou renoncer à sa parole. S'il a dit qu'il peut bénir, tu t'appuies sur sa parole, tu as pris Dieu en otage. Quelque chose peut prendre Dieu en otage, ça s'appelle sa parole. Tu accroches Dieu avec sa parole. Tu dis que Seigneur, tu l'as dit, il est impossible que le contraire se manifeste. Je marche par la foi et non par la vue. Peut-être actuellement rien ne dose dans ma vie, mais la parole déclare, dis au juste, tout va bien. Je prends cette parole, je la mets dans mon cœur, je rumine la parole, je vomis par ma bouche. Subitement, ma vie qui était pleine de ténèbres et eau, qui était informe et vie, dès que je déclare cette parole glorieuse, le scénario change à cause du son que j'envoie. Tu peux changer le scénario dans ta vie en changeant le son qui est dans ta bouche. Tu es d'accord, tu donnes la main comme le tonnerre. Donc la foi est un acte, merci ma fille, un acte motivé par la parole de Dieu. La foi est en même temps encore une substance. On dit que la foi c'est la substance des choses qu'on espère, version King James. Le mot substance c'est un mot grec que j'aime appeler ça hypostatis. Hypostatis signifie titre foncier, certificat d'appartenance. La foi c'est le titre. Ah, pardon. Mais on arrête, vous n'êtes pas prêt pour ce que. On dit que la foi c'est le titre foncier. Ce qui prouve que tu as le terrain, ce n'est pas le terrain. C'est le papier qui montre que le terrain existe quelque part. Ah, je crois qu'on va arrêter ce matin. Quand tu dis que j'ai la foi dans mon cœur, la foi te montre quelque chose. Les gens disent que, mais homme de Dieu, où est la prière que tu as fait? Tu dis que la prière que l'homme de Dieu a fait sur moi, voilà ça dans mon esprit. Voilà ça que je vous montre. Et à force de voir ça dedans, ça existe maintenant dans le physique.
Quand tu peux prendre un crédit à la banque, tu ne peux pas payer ton terrain. Ah oui. La substance que tu as intérêt, c'est le titre foncier. Amen. Alors que ton terrain plus grand est que le titre foncier. Ce qui me montre que je me marie, c'est l'image que j'ai dans mon cœur. L'image que j'ai dans mon cœur, c'est le titre foncier, que mon mariage existe quelque part. Ce qui me manque quand on va acheter ce terrain, c'est l'image que j'ai dans mon cœur. L'image dans mon cœur, c'est la substance que Dieu va prendre. Et tourner la substance là en réalité dans le monde physique. Ce que je vois dedans est la preuve que ça existe quelque part. Vous savez que la nuit, quand tu dors, tu rêves comment tu prêches de pays en pays. Ce signe de rêver est le signe qui t'annonce que ça existe quelque part dans le règne de l'esprit. Et ce que tu vois quand tu dors est un signe que ça existe quelque part. Pendant qu'on prêche, tu imagines les choses, non? Ce n'est pas l'imagination, parce que la parole a la couleur. Les psychologues ont montré que chaque parole, chaque pensée a une image, chaque pensée a une couleur. La parole de Dieu aussi a ses couleurs, ça a ses images. Oh, Jesus. Oh, Brakusa Brayika Tabaya. Dieu a dit, Abraham, que vois-tu? Parce que ce que tu vois, c'est la substance. Si tu ne vois rien, Dieu ne peut rien faire. Tu es venu peut-être avec les douleurs dans ton corps. Que vois-tu? Vois-tu comment tu rentres sans douleur? Amen. Si tu vois comment tu rentres en boitant, prépare-toi à boiter. Amen. La substance là se trouve dans l'esprit. C'est ça le titre foncier. C'est ça ton certificat d'appartenance. C'est ça qui prouve que ton miracle existe. Amen. Sinon, si on prie pour toi, tu n'as pas de titre foncier dans ton esprit qu'on appelle la substance qui est la foi. N'espère rien. Beaucoup confondent foi et espérance. Beaucoup de chrétiens ont l'espérance, ils ont l'espoir, ils n'ont pas la foi. Ils savent qu'un jour, ça va aller. Un jour, c'est l'espoir. Amen. Ce n'est pas l'espoir qui change ta vie. Amen. Tant qu'on dit on espère, mais tu peux espérer te marier, tu ne te maries jamais. Amen. Mais c'est la foi qui va convertir tes expériences en réalité. Amen. Reçois dans la substance ce matin dans ton cœur. Oh, c'est trop calme, c'est trop calme. C'est trop calme, c'est trop calme. La foi, c'est la substance des choses qu'on espère. La foi est une force capable d'annuler les autres formes de force. Tu es d'accord? Tu dis amen. Amen. La foi, c'est obéir à Dieu. Chaque fois que je me lève pour obéir à Dieu, c'est une démonstration de ma foi. Peut-être tu as mal au pied. On dit lève-toi et marche. Tu dis attends, ce n'est pas la foi. La foi, c'est lève-toi et marche. Tu te lèves sans te poser des questions. La foi n'hésite pas. La foi ne se pose pas les questions. La foi bondit, le doute hésite. Je te montre ce soir, si oui ou non, la foi est en train d'opérer dans ta vie. Et te montre en même temps comment développer quoi? L'esprit de la foi. La foi voit la chose de la manière dont Dieu la voit. La foi voit les choses et de la manière dont Dieu voit les choses. Peut-être rien ne dose. Peut-être le docteur a vu que les fibres sont dans ton ventre. Ça, c'est un diagnostic. Vous n'êtes pas là. Mais il y a une autre forme de connaissance supérieure qu'on appelle l'épignosis, qui est la connaissance exacte, qui est capable d'annuler toute forme de diagnosis. Donc, ce que le docteur voit à l'hôpital, c'est un Mais épignosis peut annuler quoi? Les diagnosis. Donc ce que le docteur a vu, il y a gnosis qui signifie une connaissance qui vient par observation, une connaissance scientifique. Où on observe, on analyse et on déduit. Et d'où il sort le diagnostic. Mais il y a autre forme de connaissance qui est spirituelle, qui est à l'intérieur les gnosco et autres. Aïe, vous n'êtes pas là apparemment. Quelle connaissance spirituelle révélée, impactée à l'esprit humain par révélation, au travers du Saint-Esprit, quand elle touche la dimension supérieure, elle devient quoi? Épignosis. Et là, cette connaissance pratique-là que tu as par révélation, par relation avec la parole, est capable d'annuler toute forme de verdict, toute forme de diagnostic dans ta vie. Je crois qu'il n'y a pas les gens pour prendre la fin. Là. Ce matin donc, au son de la parole, tu rentres avec un signe. Ton amen montre que ça ne passe pas. Si ça passait, tu devais dire amen plus fort que ça. Si ça passait, tu devais dire amen plus fort que ça. Évoluons alors. Dans Marc chapitre 11, verset 22 à 24, maintenant on voit le dynamisme de la foi. On a défini la foi.
Maintenant, voyons le dynamisme de la foi. Allons-y. Marc chapitre 11, 22 à 24. Ayez quoi? Ayez foi en Dieu. Continue. Merci. Il dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi qui en Dieu. Si tu as foi hein, aux espérances de la terre, tu vas regretter. Mais si tu as foi hein, à ce que Dieu dit, à ce que Dieu est capable de faire, tu ne vas pas regretter. Dieu dit, n'ayez pas foi, docteur. Le docteur Topé n'est pas sûr que tu vas guérir. Dieu dit, n'ayez pas foi au comprimé. La preuve est le comprimé nettoie le corps, le comprimé ne guérit pas. Tu n'étais pas au courant? Oui, oui, les comprimés ne guérissent pas. Les comprimés soignent. C'est ça qu'on peut donner le même comprimé, tu ne guéris pas. Amen. Quand on introduit un comprimé dans ton corps, c'est pour renforcer ton système immunitaire. Ce n'est pas pour tuer le microbe. Hein? Tu n'étais pas au courant? Attends, je vais t'expliquer. Dès qu'on met un médicament dans ton corps, hein, il y a ce qu'on appelle les antigènes, aussi les anticorps. Et au niveau de chaque cellule immunitaire, il y a ce qu'on appelle le complexe majeur d'histocompatibilité. Le son tombant va arriver. Tu te la donnes une main fort. Bon, ça va, ça va. What a shock. Laissons tomber. What a shock. Bon, je m'excuse. Je n'entends aucun amen. Bon, laissons ce qu'elle dit. Si on peut dire autre chose. Maintenant, quand il y a peut-être un globule blanc dans le corps et un microbe entre dans l'organisme, hein? Le microbe attire inconsciemment le globule blanc. Vous êtes là? Ça attire inconsciemment les globules blancs. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le phénomène d'approche. Le globule blanc, maintenant, vient s'approche du microbe par un phénomène de chimiotactisme positif. Vous n'êtes pas là, apparemment. Maintenant, quand il s'approche du microbe, il encercle le microbe. Et pendant qu'il encercle le microbe, il emprisonne le microbe. Maintenant, il tue le microbe à l'intérieur de son cytoplasme. Oh. Vous êtes là? Voilà. Maintenant, il forme ce qu'on appelle à l'intérieur ce qu'on appelle une vacuole digestive. Donc, il mange le microbe à l'intérieur de lui-même. Amen. Donc, il ne tue pas le microbe dehors. Il tue le microbe dedans. Et dès qu'il finit de tuer, il rejette. Oh, vous n'êtes pas là. Donc, ça veut dire que quoi, terre à terre? Si la parole aussi entre dans ton corps, la parole de Dieu va neutraliser tout ce qui a comme virus dans ton corps, bactéries dans ton corps, impuretés dans ton corps. Oh, donnez-moi un amen dangereux. La Bible déclare, je suis l'Éternel qui te guérit, pas qui te soigne. Amen. Le nom là, c'était Jéhovah Rapha, ou Yahweh Rofeka, ou encore Rofé, ou Rofeka, simplement. Tout ça, c'est la même chose. Il dit que je suis l'Éternel, ton médecin. Je suis l'Éternel, ton docteur. Je suis l'Éternel, le spécialiste. Rofé signifie guérir. Rofé signifie restaurer ce qui est gâté. Rofé signifie rendre quelque chose vivant de nouveau. Rofé signifie encore en hébreu réparer. Rofé signifie encore terre à terre fixée. Donc Dieu en même temps le tout-puissant fixateur. T'as trompé un problème, il peut fixer. Tu vois, tes amens m'inquiètent. D'où il dit, ayez foi en Dieu. Il dit en vérité, pour dire que ce n'est pas la blague, je vous le dis. Si quelqu'un dit, pas si quelqu'un regarde, si quelqu'un dit à cette montagne, beaucoup de chrétiens regardent à leur montagne et décrivent leur montagne. Oh mon cancer, oh mon diabète, oh ma galère, oh mes dettes, oh ma situation. Tu es en train de regarder et décrire la montagne. Mais si quelqu'un s'adresse à la montagne, la parole de Dieu est comme la bombe atomique. La parole de Dieu est comme Abracosakataya.
La parole de Dieu est comme une dynamite. Quand je libère la parole, le vrai bing bang voit le jour. Quand Dieu parle, c'est bing. Quand se passe, c'est bang. Oh, je crois qu'il y a les gens par ici. Il y a les gens. La parole de Dieu porte des habiletés de Dieu. La Bible déclare en elle était la vie et la lumière des hommes. Donc quand je libère la parole, la vie dans la parole sort et engloutit toutes choses. Je crois qu'il n'y a pas les gens ce matin. La parole de Dieu porte le feu de Dieu. Il a dit que ma parole n'était pas comme un feu et un marteau qui brise le roc. La parole de Dieu porte l'esprit de Dieu. Ah, il dit que les paroles que vous annoncez sont quoi? Esprit et vie. Pendant que tu écoutes la parole, tu es en train d'écouter la vie. Tu es en train de recevoir l'esprit. Pendant que Pierre prêchait ce cornet, le Saint-Esprit est tombé sur tous ceux qui écoutaient la parole. Pendant que tu écoutes la parole ce matin, il tombe dans tes finances, il tombe dans ton mariage, il tombe dans ton corps, il tombe dans ta vie de prière et rien ne sera plus jamais pareil. Et c'est toi, donne-moi la main comme le tonnerre. Si quelqu'un dit, pas si quelqu'un regarde, pas si quelqu'un murmure, pas si quelqu'un se plaint, pas si quelqu'un raconte sa montagne à quelqu'un, ou si quelqu'un commande sa montagne, si quelqu'un cherche un fan club pour sponsoriser, décrit que ça ne va pas. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Premièrement, je dois reconnaître que seul ce que Dieu dit est la vérité. Deuxièmement, je dois accepter que je dois dire, m'adresser à ma situation. Troisièmement, je dois reconnaître que je dois parler de manière spécifique. Il n'a pas dit quelqu'un dit, ôte-toi. Non, si quelqu'un dit à cette montagne, adresse-toi au cas. Dis pas que Seigneur, je vais me marier un jour. Non, dis Seigneur, je déclare mon mariage en telle saison. Ne dis pas que Seigneur guéris-moi. Seigneur guéris-moi du VIH là qu'on a vu. Pas que je déclare je suis guéri de cette maladie. Tu as honte de dire virus. Mais quand tu t'adresses spécifiquement à cette maladie spécifique, de manière spécifique, que tu reçois ton miracle. Amen. Tu es trop calme pour moi ce matin. Amen. Si tu aimerais avoir ton argent, déclare mon argent vient avec le chiffre exact. Amen. Tu dois dire Seigneur je réclame mes 10 millions au nom de Jésus. Tu dis, Seigneur, je réclame mes 75 000, par exemple, au nom de Jésus. Tu dis pas que je veux mon argent. Il y a beaucoup d'argent dehors. Il y a ce que Dieu t'a donné, ce qui doit venir. Quand tu dis, je veux mon argent, c'est vague. Tu veux combien? Combien y a-t-il dehors? Tu revendiques ça de manière spécifique. Tu es en train de dire à cette montagne, ôte-toi de la poche de cette personne et viens te placer dans la mer qui symbolise mon compte bancaire. Jesus. J'appelle mon argent ce matin. Ne dis pas, j'appelle pour moi-même, j'appelle mon argent ce matin. I say, money, come to me now in Jesus' name. Si quelqu'un dit, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Troisième, quatrième point, s'il ne doute point dans son cœur. Dieu te montre que l'importance de voir la chose dedans pendant que tu parles. Normalement, quand tu dis quelque chose, ça doit venir du cœur. Ce qui sort du cœur a la puissance. Ce qui ne sort pas du cœur n'a aucune puissance. Il dit que si quelqu'un dit sans douter dans son cœur, si quelqu'un dit et voit la même chose dedans, la loi des correspondances qui dit tel tu es dedans, tel tu seras dehors. La loi qu'on appelle PDPD, propre dedans, propre dehors, pourri dedans, pourri dehors. La loi qu'on appelle la loi de l'équivalent mental. Ce que tu vois dans ton monde mental, ce que tu vois dehors. La loi qu'on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pour dire tel c'est en haut, tel ce sera sur la terre. Tel c'est dans mon cœur, tel ce sera dehors. Ils sont tombés. S'il ne doute pas dans son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive. Wow! Pas que ce qu'il dit est là. Parce que si tu dis que c'est là, tu vas douter. Si ce qu'il dit arrive, donc il commence à voir comment ça vient seul. Par exemple, il a besoin d'argent. Qui va comment on fait ça? Ok, je garde ça pour moi. Je vais parler de ça la first lady qui va sortir. Tu vous montres comment on fait ça? Il croit que ce qu'il dit arrive. Il est chez lui. J'attends mon argent. Dès qu'on somme, ping dong, allez voir, c'est le type qui a mon argent. Il est en train de croire que ce qu'il dit arrive. Dès que le téléphone sonne, c'est par rapport à mon argent. Dès qu'on toque, c'est par rapport à mon argent.
Il est en train de croire que ce qui dit arrive. Pendant qu'il est assis, quand il rêve un peu, quand il imagine comment le type là prend le téléphone. Et il compose son numéro. Et il dit que mon frère, tu es à la maison? Oui, je suis à qui il laisse l'argent là que tu connais. Il est en train de croire que ce qui dit arrive. Pendant qu'il est assis à la maison, il imagine comment il est là-bas. Comment quand il part déposer son dossier, quelques temps après on l'appelle. Il imagine comment il peut faire le test. Là, on a dit que tu es séropositif. Il imagine, mais le docteur dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il se met à sourire ici, alors que ça ne s'est pas encore passé. Mais il commence à ressentir la réalité, d'une réalité qui est invisible, mais qui est abracoshapai kataya. La Bible est que nous portons nos regards, non aux choses visibles, mais à celles qui sont quoi? Invisibles. Pendant que je tourne mes yeux, j'enlève mes yeux aux observations, et je ferme mes yeux physiques, et j'ouvre les yeux du cœur à mes futures attractions, ça commence à venir dans ma vie. Quand tu regardes dehors, tu es distrait. Quand tu regardes dedans, tu attires. Il est temps qu'un chrétien attire son contrat, attire sa guérison, attire son mariage, attire sa prospérité. Si c'est toi, donne-moi la main comme le. On dit qu'il croit que ce qu'il dit arrive. Il commence à voir comment ça vient. Il commence à biper mentalement tous ceux qui ont son argent. What a shock! Qui a remarqué que parfois, quand tu penses à quelqu'un trop subitement, il t'appelle ou il t'envoie un SMS. Tu vois, tu appliques les lois de la manière. Parfois, tu dis, je sens que le bailleur va venir. Et le bailleur vient. Tu es en train de biper le bailleur mentalement. Maintenant, utilise ça à la bonne fréquence. Maintenant, tu bipes ceux qui ont ton argent. Tu penses tellement à eux. Je vous montre mes secrets. Mais je garde ça pour moi. Non, c'est bon. Les secrets sont terminés comme ça. Je garde ça pour moi. Tu es sûr que tu me connais? Maintenant, pendant que tu es à la maison, la science dit que la pensée voyage à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Vous n'êtes pas là. Donc je peux penser à quelqu'un pendant que je pense, je voyage. Subitement, la personne là-bas reçoit l'image, pense à moi. Pendant qu'elle pense à moi, ce n'est pas assez. Je fais en sorte que pendant que je pense de manière précise à la chose que je veux. Donc quand il va penser, il pense que ça fait longtemps, tu m'as donné mon argent. Je crois qu'il n'y a pas les gens par ici. Tu es prêt? La Bible déclare que Dieu est capable de faire abondamment, excédemment, de ce que nous pensons. Le mot là, c'est un mot grec qui dit puissance, selon la puissance qui agit en nous. C'est le mot grec energia. C'est une puissance qui opère à partir de l'imagination. Je crois qu'on laissons tomber. Mais on continue. Il croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera quoi? Accordé. Il peut voir sa voiture venir. Qui peut voir la nomination venir? Amen. Qui peut voir le bébé venir? Je me rappelle, tant qu'il est en ministère, une femme vient, la grossesse a traversé la date normale. Quelqu'un n'a pas dit amen. Donc ça a traversé la date normale. Elle est venue à l'église comme ça, fatiguée. Il dit que madame, tu vas accoucher quand? Elle dit mercredi. C'était un lundi. Elle dit qu'elle va accoucher mercredi. Maintenant que ta fille va s'appeler comment? Elle dit Marie-Grâce. Elle dit que Marie-Grâce, ta mère veut te voir. Le ventre a bougé. Boum! Les gens disent, hey, Africa Magic. Nobi na Africa Magic, na Christian Power. Ils sont tombés, il n'y a pas les gens. Mercredi à 9h45, Marie-Grâce a vu le jour. Pourquoi? Si tu ne places pas une demande spécifique, elle s'en vient. Ça va venir, comme tu es aussi en train de penser que ça va venir. Mais quand tu mets la date spécifique, que voilà le jour où je veux qu'on me livre l'affaire là. Même si un retard, le retard ne sera pas trop long, comme quelqu'un qui n'a pas fixé de date. Je crois, laissons tomber, ça va. Ça va. C'est bon pas ici? Ton agent vient quand alors? Ton téléphone sonne quand alors? Tu ne marches pas. Tu marches.
Lève-toi un peu, tu marches, je vois un peu. Attends. Toi-même, tu vois que tu marches. Attends, tu vas marcher. Assieds-toi d'abord. Tu. Je n'entends aucun amen. Ta foi doit voir plus que faire ça. Si tu es satisfaite de faire ça, tu cales comme ça. Tu es guéri, mais une dimension. C'est pas vrai. Tu es guéri, mais une dimension, à la dimension que tu as. Quelqu'un a dit, Jésus a prié pour un aveugle. Il dit que tu vois, il dit que vois les hommes comme les arbres. Donnez-moi un amen sérieux. Vous avez compris que la fesse, il faut qu'il prie encore. Donnez-moi un amen fort. Ce soir, je t'encourage à avoir une foi sauvage. Une foi qui imagine une grossesse, les jumeaux apparaissent d'un seul coup. Oh, je ne sais pas à qui je parle maintenant. Une fois que tu as déployé tes CV, ça fait les années, subitement, on t'appelle de partout. Tu vois, ton amen m'inquiète réellement. Une fois qu'il fait en sorte que tous ceux qui ont ton argent, ils n'arrivent plus à dormir tant qu'ils ne t'ont pas remboursé. À partir de ce soir, celui qui a ton argent ne sera pas en paix. Regardez, ils sont toujours assis, regardez. J'appelle par la puissance de la foi. Arabusha Kalibra Kataya la Bababa. Le transfert financier dans ta vie maintenant. Asseyons-nous. Pour développer l'esprit de la foi, ne dis pas à Dieu ce que le diable est en train de dire. Merci mon frère. Ne dis pas à Dieu ce que le diable est en train de dire. Actuellement, comme tu vois, le docteur a dit que les fibrons sont montés à tel niveau. Le docteur a dit que ma trompe est ceci. Le docteur a dit que les experts de l'entreprise ont dit que, les économistes ont dit que, actuellement les médias ont dit que, on a dit au journal de midi ou de 20h qu'à partir de maintenant au Bénin, voilà ce qui va se passer. Et d'après les sondages, on ne va plus vivre dans ce pays. Qui t'a sondé? La Bible déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. À cause de son nom, je vivrai, je ne mourrai pas. Pas à cause des nouvelles. On appelle les nouvelles en anglais breaking news. Et breaking news, breaking signifie break. Et news, c'est nouvelle. Donc beaucoup de news qu'on appelle sont les breaking news. Ça vient pour nous break. Ce ne sera pas ton histoire, mon ami. Ah, donnez-moi les amens dangereux. Beaucoup d'infos ne sont pas les informations, c'est la déformation. Tout ce qui tue ta foi, n'écoute pas ça. Ferme tes oreilles à ce qui tue ta foi. Répète-toi les enseignements. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je suis béni le matin. Je suis béni à midi. Je suis béni le soir. Béni à mon départ. Béni à mon arrivée. Ma huche, ma corbeille. Tout ce qui est en moi est béni. Dieu m'ouvre son bon trésor, le ciel. Et il répand dans ma vie sa pluie en abondant. Je vais prêter à beaucoup de personnes. Je vais point en prêter. Parce que je suis la tête et non la queue. Je suis béni plus que toutes les nations. Il m'aime, il me bénit, il me multiplie. Il n'y a chez moi ni homme stérile, ni femme stérile, ni bête stérile. Parmi mes troupeaux, je vais posséder et habiter de grandes et de bonnes villes que je n'ai point bâties, remplies de toutes sortes de biens que je n'ai point. Abracata yalabashata. Pendant que je parle comme ça, je suis en train de planter. Pendant que je parle, je plante. Pendant que je parle, je plante. Je suis en train de faire les bing. Je vais bientôt faire une banque. Pendant que je parle, c'est un bing. Le Saint-Esprit prend mon bing et tout ça en banque. Ce matin, la personne qui est malade dans ta maison, au son de la voix de Dieu, tu retournes trouver la personne complètement guérie. Le centenier a dit, Seigneur, mon serviteur est malade, paralysé. Jésus dit que je m'en vais prier pour lui. Il ne vient pas chez moi.
Je suis un homme d'autorité et je comprends l'autorité. Le pays m'a ouvert pour contrôler 100 hommes, d'où le nom centenier. Toi, Dieu t'a ouvert pour contrôler l'air, les poissons, les esprits, tout ce qui est l'œuvre de ses mains. Si moi je peux dire un homme vient et il vient, toi, tu peux dire maladie, sort et ça sort. Dis seulement un mot. Apôtre ne m'impose même pas les mains. Dis-moi quelque chose. Envoie une parole concernant mon cas. Si tu me dis que je vais accoucher, je le crois à 1.7. Si tu me dis qu'une bonne nouvelle va venir, je le crois à 1.7. Je n'ai pas besoin de trembler pour savoir que la parole de Dieu est vraie. La parole est supérieure à mes sensations. Oh, je ne sais pas à qui je parle ce matin. Oh, je n'ai pas besoin qu'on m'envoie un signe spirituel pour savoir que ce que Dieu me dit est en train de s'accomplir. Si Dieu l'a dit, il est impossible que le contraire se manifeste. Je vais accepter ce qu'il a dit que je suis. Et je vais faire ce qu'il a dit que je peux faire. S'il me dit, lève-toi et marche, c'est-à-dire, il peut me lever et je peux marcher. Je m'en fous du rapport du docteur. Je m'en fous de ce que le marabout a dit. Je m'en fous de ce que le vaudou a dit. Le vaudou est dehors, mais celui qui est en moi est plus fort que le vaudou. Ce matin, tu n'as pas le droit de continuer à marcher comme ça. Là où tu te vois, c'est là où tu restes. Quelqu'un n'a pas dit amen. Pourquoi tu prends d'abord les appuis un genre? Parce qu'une voix te dit que tu peux tomber. Pierre a marché sur l'eau. L'eau est plus dure que le sol, si? Non. Si l'eau a porté Pierre, le sol peut te porter. Non. Je vais arrêter. Je vais arrêter vraiment. Donc on va donc faire un travail de foi ensemble. Lève-toi, je te place ici. Marche d'abord comme tu marches normalement. Comme tu marches en boitant. Voilà. Marche comme ça, ce que là-bas. Là, on voit comment tu marches bien en boitant. Maintenant, tourne-toi alors. Ça fait mal, non? Ça fait mal, non? Un peu. Voilà. Arrête alors. Quand Dieu t'a créé, tu marchais comme ça? Non. Est-ce que tu crois qu'il veut te laisser comme ça? Non. Tu es sûr qu'il ne veut pas te laisser comme ça? Jamais. Ce que tu dis est grave. Tu es sûr que ce n'est pas Dieu qui t'a rendu malade? Jamais. Non, dis-moi ce que toi tu penses. C'est Dieu qui t'a rendu malade. Après, tu crois qu'il va remarcher? Non. Je veux te faire comprendre quelque chose. Jesus. Pourquoi parmi certains noms ne guérit pas souvent? Parce qu'on dit que c'est Dieu qui a l'origine de ce qui se passe. Que sont nos péchés qui nous ont amenés là où nous sommes? C'est pas mon péché. C'est la grâce de Dieu. La grâce qui t'a rendu comme ça. Tu as donc suivi nos apôtres. Comment donc la peau va me délivrer de quelque chose qui est la grâce de Dieu? What a shock. What a shock. Please, can I prophesy? Pas étonnant qu'on prie pour toi. Tu n'arrives toujours pas à marcher. Parce que c'est la grâce de Dieu qui t'a rendu comme ça. What a shock. Vous savez que j'ai dit aux gens que tes péchés te sont pardonnés d'abord. Et ensuite, les gens marchaient. Parce que les gars étaient couchés et convaincus que non, j'ai cherché, j'ai trouvé. Que même si n'importe quand m'arrivait, ma désobéissance m'a amené là où je suis. Le jour où Dieu va décider, me guérir, va me guérir. Mais je ne peux rien forcer. Avec ce à repenser, tu peux aller marcher. Puis tu attends le jour où Dieu va se décider. Il va jamais se décider. Mais ça fait 2000 ans qu'il s'est décidé. Ça fait 2000 ans que Jésus a payé le prix sur la croix du calvaire pour que tu marches. Donc, ça veut dire que la maladie, ce que tu ressens là, tu ressens ça injustement et illégalement. Donc je te dis donc ce matin devant tout le monde que tes péchés te sont pardonnés. Il n'a pas suivi. Je te dis devant tout le monde que tes péchés te sont quoi? Pardonnés. Et si tes péchés te sont pardonnés, Jésus vient maintenant à côté de toi et il ne t'arrête pas la main comme ça. Tu as quoi en main? Jette ça. Il ne t'arrête pas la main comme ça. Il dit, ma fille, accompagne-moi là-bas.
tu vas dire non. Voilà. Dieu est donc venu ce matin, il t'arrête par la main. Into the darkness you shine, out of the ashes.